nous voilà dans la suite du processus de création, dans la suite du processus des quatre grandes étapes du processus de création, des quatre grandes étapes du processus de la réussite. Je reviens sur cette phrase parce qu'elle est fondamentale. La réussite n'est pas un événement, mais un processus. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième grande étape. La troisième grande étape, c'est l'action. L'action. Nos pensées conduisent nos paroles et nos paroles déterminent nos actions. C'est de nos paroles que nos actions naissent. C'est de nos pensées que nos actions naissent. C'est de nos pensées que nous nous mettons en action. Aucune action ne peut réussir. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça à faire quelque chose sans qu'elle ne soit précédée par une pensée. Sans qu'elle ne soit précédée par une conversation, à la fois soit interne ou externe. Pour que tu te lèves pour travailler, il y a déjà une pensée qui a précédé « je dois me lever pour travailler ». Même si cette conversation elle est externe, tu dis à ton collègue, à ton ami « je dois me lever pour travailler ». Ça c'est un. Ou bien la conversation elle est interne, tu te dis les paroles à toi-même. Donc d'une manière ou d'une autre, l'action elle est précédée par les deux autres étapes du processus. Mais l'action représente l'énergie physique, l'énergie palpable et objective de ce que les gens perçoivent. Ce qui se passe dans ta tête, c'est toi seul qui le sais, c'est toi seul qui l'imagine. Mais pour comprendre ce qui passe dans la tête d'une personne, regarde en ce qu'elle fait comme action. Si quelqu'un agit comme un con, c'est qu'elle est précédée par des idées de con. Si tu réfléchis et que tu agis comme un loser, c'est que tu es précédée par des idées de loser. Tu ne peux pas dire toute la journée ou toute la matinée, bah, moi je ne peux pas me lever à 10h avant 10h ou travailler avant 10h. C'est parce que dans ta tête, tu as déjà préconçu ces idées qui te permettent de te dire « je dois me lever à 10h ». Parce qu'à la base, si dans ta tête, tu l'as déjà considéré comme étant un acquis, comme étant quelque chose de réaliste dans ta tête, tu ne peux pas te lever avant 10h. Si tu veux changer cette habitude que tu considères comme étant mauvaise pour toi, change plutôt les pensées et tes actions vont changer. L'action, c'est ce que les gens voient. Même si tu as les meilleures pensées du monde aussi, si tu ne te lèves pas pour aller agir, tu ne peux pas réussir. Et je ferai une vidéo spéciale sur cette partie, parce qu'elle est fondamentale. Le processus du passage de la pensée à l'action, c'est fondamental. Et c'est là où nous parlons souvent de la loi d'attraction, des lois, de tout ce qui s'ensuit. Mais je te dis une chose. Quelles que soient les bonnes pensées que tu as, si tu ne les mets pas en œuvre, tu ne peux pas y arriver. Tu sais, on aime souvent dire, mon collègue et moi, Sal Abdoulaye, on aime souvent dire une chose. Lorsqu'une idée te traverse dans la tête, n'oublie pas qu'il y a plus de 1000 autres personnes qui ont la même idée au même moment que tu es en train de penser, peut-être même dans ton quartier même. Ce qui va créer la différence, ce qui va te mettre devant cette personne ou ces milliers de personnes, c'est lorsque tu te lèves et que tu te mets en action. Les idées, je te dis, il y en a plus de 60 000 par jour. Et donc, si tu veux être de ceux qui réussissent, si tu veux être de ceux qui transforment leurs idées en réalité, sois aussi une personne d'action. L'action, ça change tout. L'action, c'est le déterminant. L'action, c'est le déterminant. L'action, c'est le déterminant. C'est là où tout se passe. Ton idée, peut-être, tu peux la croire bonne, mais si tu ne la mets pas en œuvre, tu ne peux pas imaginer si elle est bonne ou mauvaise. Ton idée d'entreprise, elle est bonne. Tu le penses, tu le crois. Mais c'est lorsque tu vas te mettre sur le terrain, être en confrontation avec les clients, être en confrontation avec les entrepreneurs, avec tes partenaires, avec les gens. C'est le retour de ces personnes qui te diront « oui, c'est bon » ou « non, c'est pas bon ». Et tu changes. Aucune idée n'est parfaite dès le départ. C'est lorsque tu la mets en œuvre que tu te rends compte qu'elle est bonne ou mauvaise. Mais si tu penses que c'est en disant « ouais, j'ai une idée d'entreprise », ton idée ne servira à rien si tu ne la mets pas en œuvre. Est-ce que tu sais combien d'idées me traversent par jour?
Plus de 60 000. Est-ce que tu sais combien d'idées te traversent par jour? Plus de 60 000. Mais putain, lorsque tu ne les mets pas en œuvre, tu n'es qu'un simple ruseur. Mais je te dis une chose. Je ne suis pas là pour te dire que tu es un gagnant ou un perdant. Je ne suis pas du genre à te flatter ou à te dire « Ouais, tu es un gagnant, tu vas gagner. » Ce processus-là, il faut le mettre en œuvre. C'est l'action qui détermine tout. Je vais durer sur cette partie parce qu'elle est fondamentale. Combien de jeunes t'appellent tous les jours? Combien de jeunes te diront « Oui, j'ai une idée d'entreprise, je vais réussir, je suis ceci. » Mon gars, tu ne mets pas en œuvre, tu vas perdre. Mets-toi en œuvre, mets-toi en action. Parce que l'action, c'est ce qui va te permettre d'adapter tes idées face à la réaction de tes clients, face à la réaction de ceux qui sont autour de toi. Mets-toi en action parce que c'est ce qui va déterminer la quatrième grande étape du processus de création. Ce processus, il faut que tu le maîtrises. Nos pensées, nos paroles et nos actions. Alors, quelle est la quatrième grande étape? Je te dis à tout à l'heure sur la prochaine vidéo. Merci, mais en attendant, mets en action ces contenus. Merci.